Allez, salut à tous, c'est Kevlar830, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Résistance 3, chapitre 15 du coup, et on allait chercher le troisième drone qui est apparemment dans le bloc des gars. Bien. Génial. Qu'est-ce que c'était? J'ai compris, John. C'est un fusible grillé dans le disjoncteur principal. Je peux le réparer. Une seconde. Ouverture du bloc cellulaire B. Quand même, c'est la première fois qu'on va contre des humains dans toute l'histoire de Résistance. La porte ne fonctionne pas. Elle est peut-être hors du réseau. Essayez de forcer. Ok. Le drone est droit devant. Il y a une porte de sécurité sur le chemin. Vous allez devoir descendre au rez-de-chaussée en passant par la buanderie. Sacré combat ce soir, hein? Ça, oui, sacré combat. J'ai hâte de voir le prochain. Eh, au fait, je t'ai jamais demandé. Cache de banque. C'est vrai? Comment ils t'ont eu? La guichetière m'a balancé. Croyez l'avoir. Une simple raquette. Une meuf coriace. Est-ce que c'était un coup silencieux? Je n'en ai aucune idée. En doute, je vais reprendre ça. J'espère que vous voyez quand même bien. Moi, j'ai quelques reflets chez moi à cause du soleil. Mais... Pas qu'on colle. Ouais, il tire dessus. Oh, je suis repéré, hein. Pas des munitions. Oh, allez. Coup du cul! Ha! Coucou! J'étais là! Je n'étais pas caché. J'ai abusé là, c'est 5 meurtres d'un coup, mais c'est vraiment dégoûtant. Ouais, bon, ok. Des munitions, sinon, bon, je prends ça du coup, pas trop le choix, mais. Cocktail Molotov. On a un prisonnier en cavale. Trouvez-le et abattez-le. Mais oui, mais j'ai tué la moitié de vos gars déjà. Thank you.
Ok, apparemment ils sont dessus quand je fais ça. J'ai touché ou pas? Ouais, j'ai touché ça. Allez! Il y a du monde encore, il me semble, non? Putain, mais c'est abusé, non? Allez, monte ta tête! Sérieux, là? De la vie. Là, yes. Toi, je t'ai vu. Tu veux pas mourir, hein? Tu veux vraiment pas mourir. Regarde tout ça. Ouais, vas-y. Bon sang, Joe. Vous ne plaisantez pas. Maintenant, montez et désactivez ce drone. Non, je plaisante pas. Moi, je suis tous ceux qui me font chier. Alors. Ah, des capeurs. Bien. Encore un désactivé. Le dernier est dans la cafétéria. Revenez à l'arrêt. Joe Capenny. Eh oui, on sait qui tu es. On dirait qu'on t'a sous-estimé. Mais on commettra plus cette erreur. On a des projets pour toi, l'ami. Faites attention. Mick prépare quelque chose. Il est plus malin qu'il en a l'air. C'est le seul qui réfléchisse ici. Mm-hmm. Pareil, je vous le laisse lire, j'en ai oublié deux apparemment de lettres de Dick, donc du coup, voilà. De la vie, non? Les capeurs, ouais, bon, voilà. Ah, de la vie. Il a un de nos fusils de sniper. Non mais il croit quoi, les gars? Je vais me laisser faire comme ça, tranquille. En mode YOLO. Écoutez, les chimères commencent à chercher. Notre plan est en train de fonctionner. Il nous reste un drone à neutraliser et cet endroit sera envahi par les chimères. Allez à la cafétéria au rez-de-chaussée. Je vous retrouve dans la cuisine. Le repas est fini, les gars. On le bat trop bas. Herbert et son nouvel ami Joe pensent qu'ils peuvent nous avoir. On va leur montrer ce qui arrive quand on joue au con avec les gardiens. Les gardiens ont fini de manger. C'est le moment d'aller dans la cafétéria et de neutraliser le dernier drone. Mais oui, tu as raison. Contre sniper, ouais.
Allez à la cafétéria, Joseph. La liberté est proche. Donc le but est d'attirer les chimères ici. Ah, c'est n'importe quoi comme idée. Ah bon. Joseph, par ici! J'ai failli te mettre une balle dans la tête, mon gars. Vous occupez pas de ces drones. Le nôtre est dans la cafétéria. Il est tout rouge. Oh, c'est pas bon. Ok, ça. Non, c'est quand même tout rouge. Bizarre. Et mes armes, je les récupère quand sinon? Débarrassez-vous du personnel, je vais utiliser le tunnel de maintenance. Je vous retrouve dans la cuisine. Je suis censé être silencieux. Et là, par contre, c'était un multi-kill assez violent. Vomi! Attends. Toi. Toi. Il augmentait super bien le mutateur. Une seconde, il y a un truc qui cloche avec ce drone. C'est ça que tu cherches? Herbert, espèce d'enfoiré. On a été bon avec toi. On t'a protégé pendant toutes ces années. Tu penses pouvoir survivre à l'extérieur de ces murs, hein? Tu tiendrais pas une seconde. Combien? Chopez-les. Allez. Oh non, vous êtes piégé. Cette porte est verrouillée. Donnez-moi 2 minutes, je vais régler ça. Mais ce qui vous attend derrière ne va pas vous plaire. Pense à quoi en disant que ça va pas vous plaire? Ok. Si vous êtes à sec, Mick garde des munitions supplémentaires dans la cuisine. Bim. Par contre, je suis à 15 minutes de vidéo. Je sais pas si c'est bientôt fini ou pas, donc j'espère que oui. Quel connard, ils m'ont fait gâcher une mission de rien. Attrapez-les! C'est pas vrai. Donnez-moi encore 1 minute. On a pas envoyé. En feu! En feu! Il n'arrête pas de se suicider avec un cocktail molotov, c'est un bon content.
Avec elle, 10 balles dans la tête et vous mourrez pas, quoi. Il est pas si fort, j'y suis presque. Il est pas si fort, mais j'ai désingué plus de 100 gars à limite. Allez. Abandonnez au bout d'un moment, laissez-moi partir. S'il vous plaît. Genre, non, non. Ah là là là. Le calvaire. Bon. Attrapez-les. Du coup, je vais avancer un peu dans cette attaque. Et je vous reprendrai dans le prochain épisode, quand la porte s'ouvrira. Peu importe si c'est la fin du chapitre ou pas, j'enchaînerai directement avec le suivant s'il le faut. Je suis vraiment désolé. J'espère que vous aurez apprécié, et on se retrouve pour le prochain. Salut à tous. Et salut à tous, c'est Keller, ils sont en train de pour la suite et sûrement la fin bientôt de ce chapitre. Donc, je sais pas dans quel épisode on est du tout. Ce passage mène à la fosse. Je suis désolé, mais c'est la seule issue. Vous devrez vous débrouiller seul. Je dois trouver un moyen de libérer les autres prisonniers. Ok.